les amis, c'est j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui les amis, on se retrouve pour un room tour. Parce que oui, vous êtes énormément loin de cette vidéo chaque année. Parce que la dernière fois que vous avez fait cette vidéo, c'est il y a bientôt 2 ans maintenant. Ma chambre, je veux pas dire qu'elle a changé, mais au niveau de mon dressing, au niveau de mes vêtements, etc., ça a beaucoup changé. Et surtout parce que là, la dernière fois que vous avez fait la vidéo de room tour de ma chambre, j'en ai profité en fait du coup pour la redécorer avec vous. Donc les photos tout autour de mon bureau. Sauf que ça a complètement changé. Je n'ai plus eu tout ça. Et maintenant, j'ai un autre mur avec plein d'autres photos. Et c'est très sympathique. Il y a juste un endroit où vous allez voir, c'est un petit peu cafouillage entre les photos. C'est un peu le cafouillis quoi, un petit peu le bazar, un petit peu. À part ça, ma chambre là les gars, elle est clean. C'est vraiment pour ça que j'en profite pour vous faire cette vidéo, parce que sinon je sais que je la sortirai jamais. Je sais que jamais vous filmerez ma chambre, parce que vu l'état dans lequel elle est, H24, ce n'est pas possible. On ne pouvait pas prévoir ça en fait. Bah écoutez, sans perdre plus de temps, on y va maintenant, là tout de suite. Juste à ce qui paraît, en fait là ma caméra elle est dézoomée à fond, mais j'y crois pas un instant. C'est trop bizarre, je sais pas, là il y a un bug, c'est pas normal. Et donc voilà ma chambre. Je vous ai fait quelques prises donc avec mon téléphone, je sais absolument pas comment ça va rendre. Tout simplement. Donc derrière la porte, bon, on voit il y a du lierre qui n'a pas été recollé bien même, toujours par moi-même. Donc regardez, là je vous montre la seule partie un peu de ma chambre bancale. Mais à part ça, regardez, là voilà, il y a des photos. Il manque beaucoup de photos parce qu'en fait elles sont toutes tombées. Mais à part ça, c'est un coin que j'aime beaucoup, même s'il manque beaucoup de photos. Juste à côté, là, il y a une étagère avec plein de DVD tout simplement. Et donc juste à côté de ma porte, il y a mes vêtements. Là, je crois même que c'est une de mes parties préférées. Alors ils sont trop beaux. Alors ils sont rangés de la couleur de l'arc-en-ciel tout simplement. Donc déjà on part avec du crème, après on a du blanc, du bleu, du vert, du jaune, du orange, du rouge, du rose, du violet, du beige, du gris, du noir. Et voilà, franchement ça j'aime beaucoup. Et donc en dessous on a les chaussures. Les chaussures que j'ai essayé un petit peu de corda aux couleurs qu'il y a au dessus. Je sais pas si, ouais, si on remarque un petit peu quand même. Mais voilà, il y en a aussi au fond, notamment au fond, mais je les porte un peu moins. Genre voilà, et c'est surtout en fait par rapport aux couleurs que je crois j'en ai rangé devant. Tout pour le côté joli là dans ce côté de ma chambre hein. Et donc pour continuer dans ce coin de ma chambre, juste au dessus bon il y a des boîtes, c'est rien d'intéressant parce que les boîtes sont vides. Ou sinon j'ai mis genre des cartes postales dedans, des trucs comme ça, vous voyez. Et donc encore plus en dessous, on a Choupinette. Il y en a beaucoup d'entre vous qui ne savaient pas que j'avais un lapin dans ma chambre. Donc la Choupinette, je sais pas, elle dort, elle est bizarre mais elle dort je crois. Je lui ai donné un biscuit, je sais pas trop ce qu'elle m'en a fait mais c'est cool. Et elle est là ma star, elle est trop chou. Choupinette c'est vraiment un animal qui a beaucoup de caractère, c'est à dire qu'elle me correspond mais vraiment beaucoup. Genre, c'est-à-dire qu'elle est, des fois elle est très chiante. Des fois elle se met en colère pour rien du tout. Vraiment on se correspond dans nos caractères. Et en fait il y en a beaucoup aussi qui me demandent ouais mais tu la laisses ouverte etc. Oui je la laisse ouverte, bah H24. Et surtout comme vous avez pu voir, je laisse un tapis de chanvre par terre. Parce que en fait là regardez, là j'ai un tapis en tissu, enfin un tapis normal. Sauf que genre si je lui laisse ça, je n'ai plus de tapis au bout de 2 jours. Est-ce que c'est pas pour vous? Et bah au moins là il n'y a plus de problème. Et donc voilà ce coin de ma chambre qui est fini. J'avoue en fait j'avais jamais remarqué mais là il y a un trou. Bah c'est Choupinette, voilà. Donc après je vous propose qu'on passe vers la partie de mon bureau les gars. Vers la partie de mon bureau. Ça c'est une partie aussi que j'aime beaucoup. En fait je crois que j'aime beaucoup toutes les parties de ma chambre. Donc déjà comme vous pouvez le voir on a un miroir. Je pense que beaucoup d'entre vous peuvent connaître ce miroir parce que je fais beaucoup de photos dedans. Enfin voilà, donc ça c'est mon pâté miroir. Oui le micro il est un peu chelou mais en fait si je le laisse comme ça, il a tendance à rester devant la caméra. Et ça, on n'en veut pas. Enfin bref, donc là, on a un petit miroir. Et donc là, on a aussi en fait des mini machins. En fait, on avait acheté ça pour une vidéo. Et en fait, au final, ça s'est retrouvé dans ma chambre. Et en fait, ça me sert bien pour continuer. Donc, mon bureau, les gars, mon bureau. Là, je crois qu'on n'en parle pas assez. Mon bureau, c'est vraiment un endroit où je passe très beaucoup de temps. Donc déjà, là, ici, c'est simple. Il y a des cotons-tiges. Ça, c'est un petit truc que j'utilise pour humidifier mes beauty blenders. C'est très, très sympa. Petite bouche qui est très très jolie. Après bon bah là c'est mes bracelets, là c'est mes bagues. Mes bagues que d'ailleurs je les mets pratiquement jamais parce que j'en porte qu'une seule. En dessous c'est mes pinceaux. Là ne cherchez pas, c'est un peu du bazar. En fait tu trouves des trucs pour les lèvres, c'est aléatoire. Et ici dans le dernier tiroir on va pouvoir trouver des pinceaux pour étaler le masque, des pinces à épiler et gua sha, des trucs de massage aussi pour le visage. Juste à côté, bon là en fait ça c'est les trucs que je ne savais pas où mettre durant mon rangement de chambre. C'est juste des gels et un spray, donc enfin en fait dedans c'est de l'eau, encore une
une fois pour humidifier mon beauty blender. Là, de cette partie, on a des produits un peu roses ou que j'ai trouvé genre une petite vibe et tout. Je me suis dit, vas-y, laisse dehors parce que c'est joli. Parce que sinon, il y en a beaucoup de mes produits qui sont rangés dans ces plaques. Mais voilà, du coup, on a les trucs Ordinary, Sol de Janeiro, Lancôme, tout ça, la neige, etc. Et dessous, donc on trouve en fait, c'est des trucs rouges à lèvres Barbie. Genre Barbie avec Colourpop que j'ai depuis hyper longtemps. En fait, ça date de quand j'ai fait ma vidéo 24 heures en Barbie. Je sais pas si vous vous souvenez parce que ça date vraiment beaucoup. Juste en dessous, du coup, on a en fait, c'est les tout petits masques que j'avais. Genre surtout pour le nez, etc. Bah, du coup, ils sont là. Et à côté, bah en fait, ce coin-là, c'est un petit peu du coin bazar. Derrière, c'est pour les lèvres. Et là, c'est aussi pour les lèvres. Et dessous, c'est des chouchous. Après, on a mon miroir. Vous êtes énormément à me demander d'où vient ce miroir. Il vient d'Amazon. Mais voilà, il est très très beau. Et donc, juste à côté, se trouve une de mes parties de skincare préférées. C'est-à-dire que là, en fait, c'est organisé par couleur. Et en fait, il y a plein de soins, de trucs, etc. Mais voilà, pareil, encore une fois, le présentoir sur Amazon. Et à côté, on a un petit truc comme ça. Pour mettre de l'air qui sent bon. Enfin pour mettre de l'air, c'est là peut-être pour parfumer un peu l'air dans trucs qui sent très très bon. Et donc juste à côté, en fait ça c'est une boîte à foin que maman m'a fabriquée. Et dessous en fait c'est des graines, des trucs, tout ça. Pour Choupinoute, ma petite star. Ah bah ma petite star, elle est en train de manger. Il est trop chou. Enfin voilà, d'ailleurs Choupinette, faudrait peut-être que je lui coupe les ongles. Ça fait un peu longtemps que je l'ai pas coupé. Donc ça serait le moment, ça serait l'instant là. Changeons de sujet. Juste au-dessus, on a aussi de la décoration que j'adore de ma chambre. Donc là on a une étagère Disney avec beaucoup d'oreilles que je collectionne. J'adore les oreilles Disney. Genre vraiment je trouve ça mais trop beau. Genre vraiment c'est incroyable. Et après genre ces petits trucs Disney comme ça, une petite crème pour les mains, des diadèmes. Enfin je sais pas qu'est-ce que je fais avec ça. Mais c'est cool. C'est cool. Et donc après, parmi tout ce lierre, carrément on s'y perd. Bon, je suis un peu petite pour vous filmer, mais en fait c'est juste une étagère en rose. Je crois que le rose c'est un peu ma couleur préférée. Après on a une petite horloge, voilà, qui ne marche pas. Ah oui, parce qu'en fait du coup j'avais fait un avant après sur Instagram où en gros je faisais une photo avant du bazar de ma chambre, une photo après quand c'était rangé. Et en fait le truc c'est qu'en fait vous m'avez dit mais pourquoi l'horloge c'est parce qu'en fait elle ne marche pas. C'est tout. À côté on a mon mur tout simplement que j'ai refait en décoration. Juste bon cette petite photo je sais pas, elle essaye de se barrer là. Enfin voilà, ici donc se trouve beaucoup de photos en fait de tout ce que j'aime. C'est à dire en fait du coup il y a Desperate, il y a certains films, des séries, il y a des musiques que j'aime beaucoup. Enfin voilà, c'est des trucs un peu dans mon environnement, tu vois, c'est un peu moi. Il y a surtout Desperate et voilà, c'est très sympa. Après, je l'ai fait en février, ce mur. Je veux pas dire qu'il y a certains trucs qui ont changé, mais j'aimerais bien quand même rajouter Culpa Mia, quoi. Tu connais Culpa Mia et tout. Tu sais, j'aimerais bien rajouter le Diacola, parce que Diacola, en fait, j'aimais beaucoup, mais j'aime encore plus aujourd'hui. Et après, du coup, les gars, là, on a encore quelques petites photos ici. Voilà, avec maman, Gabin, Nina. Mon copain, oui, j'ai mis des post-it. Parce qu'en fait, vous êtes beaucoup à me dire, ouais, mais on veut voir ton copain et tout. Mais les gars, pas maintenant, quoi. Du coup, là, je mets des petits post-it sur la tête. C'est drôle. Et voilà, sinon, avec mes copines, avec Samir, Lindsay, Gabin, Amy, tout ça. Incroyable. Et après, les gars, du coup, on va un petit peu changer de côté. En fait, là, je vous ai surtout présenté cette partie. Mais du coup, là, maintenant que je vous ai présenté les photos, je peux vous montrer mon petit lit. Il est trop beau, mon lit, je vous jure, il est trop beau. Genre, vraiment, tous les matins, je prends un plaisir de fou à faire mon lit. Parce qu'en fait, vraiment, si je ne fais pas mon lit, je crois que je deviens dingue. Vraiment, mon lit, en fait, c'est, je sais pas, c'est trop beau. En plus, il est maxi confortable. Et regardez, là, il y a Bourriquet. À côté de mon doudou, ma star, ma petite star préférée. J'ai beaucoup de coussins. Et surtout quand j'étais petite, j'avais beaucoup de peluches, mais elles sont tout en haut. Sauf que le lit n'est pas fait. Est-ce que vous avez cru que j'allais le faire? Pas là, non. Enfin bon, juste à côté, on a l'horloge. Mais c'est pas qu'elle est cassée. Et en fait, elle a plus trop de piles. Du coup, il faudrait peut-être que je les change. Parce que d'habitude, la lumière, elle est plus allumée, quoi. Et en plus, bon, là, c'est juste l'effet de la caméra, ce que ça fait, genre que ça clignote un petit peu bizarre. Voilà, ça, c'est un coin que... Bah pareil, j'aime encore beaucoup. Et là du coup j'ai encore des photos avec voilà, mes proches, tout ça, ma famille, mes amis, tout ça. Encore une photo avec mon copain. Et alors là, ce côté là, j'aime tellement ce côté. Donc là en fait c'est vraiment genre les gourdes, les trucs, AirPods, tout ça. Là après j'ai des livres. Et juste en dessous du coup bah là c'est toutes mes fournitures scolaires que j'ai fait pour mon back to school. Et dessous c'est des crocs, des claquettes. Là encore beaucoup de crocs, beaucoup trop de crocs. Et voilà, multiprise, beaucoup de fils. Et donc ici en fait c'est pour Choupinette, etc. Genre c'est
des barres de céréales pour elle. Et dessous, en fait, c'est genre juste des prises. Parce qu'en fait, je charge mon téléphone sans prise. Enfin, genre, juste en prise USB, quoi. Enfin, voilà, ce coin, il est, je sais pas, il est trop beau. Il est très cosy. J'aime beaucoup. Et là, en fait, de base, il y avait beaucoup de photos. Sauf qu'elles dataient trop. Du coup, je les ai enlevées. Au pire, vous savez quoi? Je vais essayer de vous montrer le lit du haut. Je vous garantis pas l'état. Mais tant pis. C'est pas grave. Bon, bref, c'est un peu. Chaotique. En fait, il y a une autre couette, mais je sais pas pourquoi il y a pas 12 de couettes sur cette couette, je ne sais pas, c'est bizarre. Et là, il y a beaucoup de peluches ici. Il y a notamment Marie et Angèle. Et il y a Sully, mais je sais pas qu'est-ce que j'en ai fait. Je sais pas où est-ce qu'il est passé, Sully. À côté, on trouve du coup voilà, une petite boîte Choupa Choups avec des vernis dedans. Donc je me servirai jamais parce que bah voilà, mes ongles, voilà. J'ai des petits trucs, merci Andy. La gourde Iron Fun aussi. J'ai un dictionnaire d'anglais. Est-ce qu'il me servira un jour? Je ne crois pas du tout. Et après, bon voilà, en fait, genre, c'est des boîtes genre avec des médicaments dedans, enfin des trucs. Voilà. Bref, aléatoire. Là, c'est des classeurs en fait qui contiennent des feuilles de classeurs, des pochettes, des trucs comme ça pour. Les cours, il y avait dessous c'est mon sac de sport. Et donc après juste ici on a beaucoup de sacs à main. À côté bon il y a mon vélo, ouais je sais pas, on l'a mis ici mais voilà, qui a été bien mangé par Oléa, hein. Merci Oléa. Après mon sac de cours, dans ce placard c'est juste mes blousons. Et voilà. Donc après on tourne, là on a ma fenêtre. Voilà, toujours il fait pas assez... Oh il y a du soleil. Je ne rêve pas, il y a un petit rayon de soleil qui est passé dans mes yeux là. Là il y a une boîte, c'est juste voir des chouchous, un petit peu du bazar encore une fois. Mais ça va, tranquille, pas trop de bazar non plus. Et donc à côté de ma fenêtre, il y a tous mes placards. Comme ça. Donc je vais essayer de vous dire un petit peu en deux spies ce qu'il y a dedans. Là il y a un petit globe comme ça. Très rose, très gold, très bref, tout ça quoi. Et donc après j'ai une photo de Terry Hatcher qui a été dédicacée par elle-même. Et j'ai une photo de Terry Hatcher. Non c'était trop bien, genre vraiment Paris Film Festival, c'était une pépitasse de pépitasse. Donc dans ce placard on a comment ça s'appelle? Le truc pour mettre des DVD là. Bah je sais plus trop. Bref. Mon lecteur DVD, bah c'est aussi simple que ça. Avec des chaussures que je portais plus quand j'étais un peu petite. Enfin bref, ne me demandez pas pourquoi je jette pas, je n'en sais rien. Après donc juste au-dessus on a ma télé, un sac Hôtel Mafouf avec encore une fois des cartes postales dedans. Et après on a un néon comme ça YouTube qui a été mangé par Oléa encore. Merci Oléa, vraiment on t'aime tous Oléa, vraiment merci hein. Et dans ce placard en fait c'est des vêtements, c'est un petit peu le... Bref, voilà, c'est le bazar. Genre où il y a mes jeans, etc. Mes jeans! J'ai oublié de vous montrer mon pantalon! Parce que ici, dans mes vêtements, en fait, il y a des jeans juste ici. Et bah là, sur le côté, dans les boîtes, c'est du sous-vêtements. Vous avez oublié de vous montrer cette petite partie, en fait. Et après, donc là, il y a 6 placards. Donc dans ces deux-là, donc les deux du bas et les deux du haut, j'ai beaucoup de trucs de quand j'étais petite. Principalement des trucs en mode... Genre des crayons, des petites boîtes de quand j'étais petite, enfin bref, des trucs de dessin. Donc dans l'autre, c'est beaucoup de brouillons en fait que je garde au fur et à mesure de l'année. Bref, des trucs, happy birthday, des papiers, des machins. Et une boîte avec encore du maquillage parce que vous n'avez pas vu le reste. Et les deux du bas, c'est surtout des puzzles, des jeux de société. Et après, du coup, dans ces deux rangements du milieu, vous n'êtes pas prêt à voir ce qu'il y a dedans les gars. Déjà, on ouvre ce côté-là. En fait, vous allez me dire, mais oui, mais Lily, t'as pas de poignée. Oui, je suis au courant. Il faut peut-être le temps d'investir dans des poignées. Hein. Mais bon, donc dans ce côté-là, bon, c'est un peu le bazar à chaque fois, mais moi je m'y retrouve. Donc là, on a mon Steampod. Dans la boîte Haribo, il y a mes brosses. DR, c'est des masques et voilà. Et donc tout là-dedans, en fait, c'est des trucs que j'utilise principalement pour mes cheveux. Après, ça vraiment, c'est le rangement un peu bazar où il y a mes fossiles, des petits produits que j'utilisais pas trop. Et donc là-dedans, on a mes masques, les trucs comme ça, genre masque, crème, etc. En dessous, on a du déo, du démaquillant, des lingettes démaquillantes, des cotons. Pour se démaquiller, enfin encore un peu de bazar, en gros des trucs pour prendre pour aller dans le bain aussi. Et donc dans l'autre, je crois que les gars c'est mon placard préféré. C'est à dire que là du coup on a déjà, on ouvre, on a mes petits bandeaux, voilà. À côté mes beauty blenders, là-bas au fond on a une petite trousse noire avec mes pinceaux et un truc, vous voyez c'est des masques qu'on met dans l'eau et genre ça fait un gros masque. Et après donc là en fait ça c'est une palette nocive derrière. Alors ça c'est vraiment mon truc préféré de ces deux placards entiers. Attendez je vais y sortir et je vais vous montrer un peu plus près. Non les gars, parle, tu baisses le son, je tourne une vidéo retour. Quoi? Tu baisses le son, je tourne une vidéo. D'accord. Donc voilà, ici se trouve tout mon maquillage. Enfin, en tout cas, presque tout du moins. Donc voilà, mes mascaras, des crayons pour les yeux, pour les lèvres, quelques petits trucs pour les lèvres.
pour les sourcils, le teint. Et là, surtout, bah voilà, c'est fixateur, des mini fards comme ça pour les yeux, le blush poudre. Donc ça, c'est principalement vraiment tout mon maquillage. Et donc en dessous, on a en fait ça, c'est les nettoyants. Et donc derrière, c'est voilà des petites crèmes pour les mains. Et donc en fait dans cette partie, voilà, c'est des gels et des gommages principalement. Après là, on a tout un truc avec tous mes rouges à lèvres. Là, on a toutes mes palettes. Voilà, il y en a beaucoup, il y en a tout au fond d'ailleurs aussi. Et après dessous en fait c'est des rangements que j'ai pas encore utilisés, enfin des pochettes, tout ça. Ça c'est du déo, beaucoup de déo, des masques pour les cheveux encore. Enfin bon voilà, donc du coup là j'ai fini en gros principalement enfin toute ma chambre. Juste là-haut en fait j'ai eu quelques petites boîtes de décoration. Et voilà, sur ce les gars, je crois que j'ai fini mon petit room tour. C'était mon room tour de ma petite chambre, j'espère qu'il vous aura plu 2 ans après en tout cas. Je sais pas si ma chambre aura encore des changements d'ici 2026. Non, en vrai, je rigole. Du coup, écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à partager, à liker, surtout à vous abonner. À très bientôt pour la vidéo. Bye bye tout le monde.